Le président Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette Sassou Nguesso sont arrivés ce vendredi 9 novembre en fin d'après-midi à Paris. Le chef de l'État a été invité par son homologue français Emmanuel Macron à prendre part aux commémorations du centenaire de l'armistice. À son arrivée au Bourget, le couple présidentiel a été accueilli par les autorités congolaises en poste en France, ainsi que par la colonie congolaise de France qui l'attendait déjà à son hôtel. Denis Sassou Nguesso est venu se joindre au peuple frère de France ainsi qu'à toutes les autres délégations invitées à Paris pour célébrer le centenaire de l'armistice signé le 11 novembre 1918, armistice à l'issue de laquelle prenait fin la guerre de 14-18. La grande cérémonie relative à ces commémorations sera organisée le dimanche 11 novembre 2018 à l'Arc de Triomphe. Mais derrière ces commémorations, il y a des enjeux diplomatiques et économiques. Diplomatiques parce que la France constitue un des pôles importants de la diplomatie congolaise. Le chef de l'État pourrait, entre autres, évoquer avec Emmanuel Macron des questions d'intérêt commun entre la France et le Congo. Enjeux économiques aussi parce qu'à Paris, Denis Sassou Nguesso pourra faire d'une pierre plusieurs coups. Déjà, une rencontre est prévue le 12 novembre avec le PDG du groupe Total, Patrick Jean Pouyanné. Très certainement, il sera question au cours de leur rencontre de la production pétrolière au Congo et pourquoi pas des projets, des perspectives de Total en République du Congo. À noter que Total est le premier opérateur pétrolier au Congo depuis près de 50 ans. Le chef de l'État pourra également avoir des entretiens accorder des audiences avec différentes personnalités ici à Paris.